Shalom, comment fait que le maire de nuit nous lâche? Le maire de nuit, c'est-à-dire que les sorciers et autres, ils nous collent la paix pour que nous aurons la paix, pour que nous aurons la liberté, pour que les produits spirituels que nous faisons, ce que nous faisons spirituellement, parce que il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Quels que soient les rituels que vous faites, si les bonnes mères de nuit, là, les mères de nuit, qu'on appelle les minona, si ils ne vous donnent pas la permission, aucun de vos produits ne va pas marcher. Je vous jure. Je vous jure. C'est pourquoi lorsque vous utilisez des savons, vous utilisez certains médicaments traditionnels, il faut exiger à vos frères spirituels, à vos pères spirituels, à vos tradis païsiens de vous faire à tout, ça dit que libération pour que les mères de nuit enlèvent leurs mains. Sinon, vous allez laver, vous allez vous toucher avec tous les savons du monde entier. Vous n'aurez jamais la satisfaction. Moi, je vais vous donner une seule. Vous prenez du magouya qui avait bien la tête rouge, que vous allez taper sur le sol, il va entre la vie et la mort, puis vous lui coupez la tête. Vous allez prendre une seule piment de Guinée, vous allez calciner. Après avoir calciné, prenez cette poudre-là, divisez cette poudre en trois parties. Cette poudre-là, vous les divisez en trois parties. Chaque nuit vers 01h, vous buvez avec de l'alcool et puis vous priez, demandez ce que vous voulez. En trois jours, on utilise ça pendant trois jours. Ne faites pas de rapport sexuel. Tous vos produits vont manifester, tous vos produits vont répondre. Soyez bénis. Soyez bénis. Et si vous avez fait ce rituel, essayez de donner un peu de moyens financiers aux aveugles. C'est fini. Vous voyez Mangrouya qui est là, ça fait la délivrance, ça délivre. Et c'est pourquoi les sorciers utilisent parfois pour faire du mal aux gens aussi. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Béji Raphaël, le petit prophète du Bénin. Shalom.